Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de programmes cheap et là, c'est la dernière vidéo. C'est les programmes abdos, enfin, du moins le training abdos. On va se faire ça tranquillement en quatre exercices, tout simplement. Donc, moi, je prépare le matériel tranquillement et je te laisse 5 secondes avec le programme si tu veux le screen. Premier exercice, on va se faire des crunchs tout simplement au sol. On va se faire 4 fois 20 répétitions de crunch basique. Cela là. Hop. Tu vois. Exercice abdos standard à ne pas négliger, mais aussi à faire. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Hop. Mon chrono est parti. On prend 30 secondes de repos. Les abdos. Ça récupère très vite, d'accord? Plus vite que le biceps. Donc là, le temps de repos est très très court, d'accord? Et c'est comme ça que tu verras tes abdos se dessiner et se développer. C'est très important. C'est pour ça que les abdos aussi, ça tue, ça fait mal. Mais bon, on n'a pas le choix. 28, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. 2. 2. Ok, très bien. Ouh. Là, c'était une journée programme pour moi aujourd'hui. Vraiment. Tous les programmes ont été faits en un jour. Je sais pas comment je fais pour tenir debout. Ce soir, on va commencer les montages. Oh. 30, on repart pour la troisième. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Effacer, hop. Troisième série. Là, je reste un peu couché parce que je sens déjà la petite crampe venir au niveau des abdos. Ouh. Oh. Les abdos, ça fait mal, mais faut les bosser. C'est très important. Si tu veux bien les voir, il faut les bosser. Et faut pas que je fasse tout tomber, c'est pas bon. Hop. Ok, 30 secondes. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, allez, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Bon, moi, je prends ma minute de repos et on va passer à l'exercice 2. Là, je peux prendre ma minute et passer directement à l'exercice 2. Mais j'aime bien couper entre les séries. Comme ça, je me repère dans les rushs. Deuxième exercice, on va faire des relevés de jambes, d'accord? Moi, je vais prendre appui sur ma petite cage muscu. Comme ça, je serai bien. Mais toi, tu peux prendre appui, que ce soit en dessous de ton lit ou sur une table, pour être bien, ok? On va se faire 4 fois 10 reps. Ok, position de départ. Moi, je prends appui sur ça. Comme ça, je serai bien. Et on y va. 1, 2,
3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, démarrer. Je mets mon petit trait. Oh. Voilà. Comme ça, je bouge pas trop sur le sol. 30 secondes de repos toujours. Le programme Abdo, il est rapide, simple, efficace, mais il reste dur, d'accord? 30 secondes de repos, ça fait mal. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est avoir mal et bosser les abdos. Ouh. Ok, c'est parti, au repas. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Effacer. Démarrer. Hop. On est à 2 de relever de jambes. Oh. Faut que je note quand je fais les dernières là, parce que je sais que le crunch j'en ai fait 4, mais j'avais pas mis mon trait. 29, hop, 30. C'est parti pour la troisième. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Il faut savoir que les relevés de jambes, c'est pour les bas des abdos. Enfin, c'est pour le bas des abdos. Le bas des abdos, c'est là où on stocke le plus de gras. Que ce soit les meufs ou les gars, sauf que les meufs, elles stockent plus que nous. Mais on stocke là. C'est là où il y a la brioche. C'est là où ton grec, il y va, tu vois. Quand tu manges des Nutella et tout, c'est là où ça va, tu vois. Le bas du ventre. Ok. C'est la dernière. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Bon, je mets mon trait. Hop. Je prends 1 minute de repos. Et je te récupère direct pour l'exercice suivant. L'exercice suivant, on va se faire des touchés de cheville, d'accord? On va travailler les obliques. Très important, les obliques, c'est là où tu stockes aussi. Bas des abdos, obliques, c'est là où toute la graisse va, d'accord? Et c'est là où on va bien se faire mal. C'est simple, tu fais hop, hop, ça fait une, ok? Et on va le faire 10 fois. Allez, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8, 9 et 10. Hop. On se prend 30 secondes de repos et on se fait le petit trait. Les obliques, c'est les poignées d'amour, tu vois. Ça, pour le faire partir, faut y aller. Bien évidemment, il y a les abdos à travailler, mais c'est pas le seul truc qu'il faut faire. T'as aussi une diète à suivre. Et tu peux également faire des entraînements de HIIT, de cardio fractionné, qui vont t'aider grandement à brûler des calories. On y va. Hop. 1, 2. 3, allez, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je mets mon petit trait. La petite séance abdo, elle est soft. Mais le temps de repos,
il est très court. Au moins, ça, juste après un programme, ça te fait faire ta petite séance abdos tranquille. Les abdos, c'est pas la peine de les martyriser. C'est pas la peine de faire une séance de 1 heure. C'est pas comme les autres muscles, les abdos. C'est pas comme les autres muscles. Les abdos se voient très très vite. Mais la couche de graisse qui est dessus, c'est ça qu'il faudra éliminer. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Hop, temps de repos. C'est ça qui fait mal, c'est le temps de repos. Le temps de repos, il est ultra rapide. Oh. Là, ce que j'ai mangé, je le sens. Je sens que mes abdos sont pas contents là, parce que j'ai trop mal. Pour éviter d'avoir des crampes aux abdos, bois régulièrement une petite gorgée à chaque fois. Une petite ou une grosse gorgée. Mais pas plus de 3 gorgées, sinon tu seras ballonné et tu pourras pas faire tes abdos. Là, c'est la dernière. Allez. Une, deux, trois, quatre, allez. Cinq, six, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Hop, je mets mon petit trait. Je balance mon temps de repos. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier exercice. Dernier exercice, on va travailler les obliques avec un haltère. Ok? Donc, je prends mon haltère et hop, je vais chercher. Très important, en unilatéral. Parce que, comme je t'ai dit, c'est les poignées d'amour. C'est là où il y a du gras, d'accord? Donc, faut faire les choses bien et employer les méthodes radicales. On y va, 10 reps de chaque côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, et 10. Hop, le temps de repos et premier trait. Pareil, 30 secondes de repos. D'accord? On n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour brûler ce qu'il y a à brûler. Et en plus, ça taffe notre endurance. Là, c'est un peu plus dur parce que là, on a un poids avec les mains. Tu vois, là, on n'est plus sur le sol, on est tranquille. Ok, on arrive à 30. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, je mets mon temps de repos et mon deuxième trait. On est sur la fin du programme. On est tranquille. Généralement, les abdos, c'est ce que tu fais à la fin. Et moi, j'ai mis en place un petit programme très rapide, mais efficace. D'accord? Parce que le but, c'est que tu progresses. Peu importe. Et en muscu, c'est très important. Peu importe ce que tu fais, tu progresseras tant que tu fais des choses. Et on est déjà arrivé à 30. On y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. J'ai pas le droit d'abandonner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Hop, très rapide. Je mets mon temps, mon troisième trait.
Et après, l'entraînement sera terminé pour moi. Et tous les entraînements. Parce que oui, j'ai fait tous mes programmes en une journée. Incroyable. Toute la playlist de mes programmes type sont faits en une journée. Je suis vraiment content. Oh. Après, est-ce que ce sera monté en une journée en montage? Ça, je ne sais pas. 30, on repart. Hop. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bon. Le programme est terminé pour toi et pour moi aussi. Mets un like si t'as vraiment kiffé cette vidéo. Et aussi des commentaires et tout pour soutenir la chaîne, c'est important, abonne-toi si c'est pas fait. On arrive bientôt à 3000 abonnés à l'heure où je te parle, d'accord? Donc, il faut s'abonner, c'est important, à mon Instagram aussi. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.